Tu les belles comme la papaya. Salut à tous, on se retrouve sur une très vieille map. Pour les plus vieux abonnés, ils seront celle laquelle. Donc on va expliquer tout de suite ce qu'on fait sur cette map. Mais d'abord on va refaire un petit world tour pour les nouveaux abonnés qui s'intéresseraient à savoir c'est quoi cette map, tout ça et tout. Bon Fox, tu leur expliques ou je leur explique? Bon, je leur explique, ferme ta gueule. Bref, donc cette map, c'est une map zombie qu'on avait commencé en mars, il me semble, et en mars 2015, et qu'on avait abandonné parce que bah on pouvait pas mettre de map en téléchargement sur PS4 et on était zaraf. Donc du coup on veut la reprendre parce qu'on sait très bien que ça a pas tardé à mettre des maps en téléchargement sur PS4. Et puis parce qu'on avait envie de la reprendre aussi, de changer un petit peu du médiéval et puis tout ça. Voilà. Donc cette map, elle est de moi et Tony. Et puis de l'aide d'un petit peu d'abonnés, mais pas vraiment beaucoup, pour tout ce qui est mur noir et tout. Parce qu'en fait au début on pouvait pas mettre la nuit instant. Et comme des enculés, on s'est fait chier à faire un mur noir de 2500 blocs de long. Vous allez voir ça. 2500 blocs, il y en a plus, il y en a 200 000. Bon, non, il y en a alors, combien 300 000 qu'on a compris. Ouais, 300 000 maximum, puis il est pas encore fini de toute façon. J'avais fait la calculette, c'est du voilà. 500 par 500. Bon, alors sinon, je vais vous expliquer. Ouais, donc en gros, c'est tout ce qu'il a dit, tout ça. Donc on avait fait plusieurs niveaux qui sont pas finis, donc la map on la termine aussi, c'est plus pour nous, parce qu'on va la finir, on va voir si c'est possible, niveau difficulté, on va essayer de voir quand même. Hein. Donc je vous explique un peu, si vous connaissez pas, tout simplement, ça va marcher par niveau, donc les niveaux en gros ce sera sous différents thèmes, là ça va être sur le thème d'un petit village défoncé, et bien sûr sur des zombies, donc il y aura pas de trucs à acheter, ce sera dans des coffres, du stuff, on part sur du stuff pourri, après plus tard dans l'évolution de la map vous aurez du stuff plus efficace, et ça marche par tripwire, en gros quand vous arrivez dans cette zone là, vous jouez le jeu, vous allez sur les tripwire, et ça détecte comme quoi vous êtes dans cette partie là de la map, donc avec un système de redstone en dessous, ça fait spawn des zombies dans cette partie là de la map. Donc genre par exemple cette maison là, c'est une maison qui est inaccessible, et bah dedans on fait spawn des zombies et on les fait sortir par là, avec l'aggro, avec leur intelligence, hop ils vont sortir par là, tac, et ils vont aller sur vous tout simplement. Donc il y en a aussi sous les escaliers là, j'en avais mis aussi un peu là-haut derrière, là-dedans. Puis là, non, j'en avais mis un peu partout. Ensuite, pareil, il y a un autre tripwire juste ici, comme ici, pour détecter que vous arrivez dans cette zone-là. Il y en a un autre ici. Ici, donc en gros, ça marche comme ça pour tous les levels. Sauf qu'à chaque fois, les levels sont plus difficiles. Il y a plus de difficultés et ils sont sous un autre thème de différence. Donc voilà. Attends. C'est tout hein, je pense. Hein, attends, on n'avait pas testé si les zombies apparaissaient avec les. Léo, les merde, comment il s'appelle, les distributeurs sur un bloc, on n'avait pas testé ça. Mais si ça fonctionne, on avait déjà essayé. J'avais essayé moi je crois. Je m'en rappelle plus. Donc ouais, donc en gros aussi il va falloir vous tuer tous les zombies, que vous récupérez votre stuff, et pour accéder au niveau suivant, à chaque fois il faudra trouver un levier que vous posez sur. Sur le bloc, tout simplement pour accéder au niveau suivant. Donc ce sera. Le deuxième niveau exactement pareil, après on rajoutera des petits trucs. Hein. Donc ça paraît soit différents thèmes, plus de difficultés, c'est genre la ville, une ville qui est défoncée, hein, comme vous pouvez voir, extrêmement défoncée, des immeubles un peu fracasses comme ça. Bon, c'est le meilleur niveau qu'on a fait honnêtement dans ce truc là. Oui là c'est stylé, j'aime bien. Après un peu trop de lianes, genre ici sur le côté ça a beaucoup trop poussé, à la base il y en avait moins, mais ça a poussé. Du coup faudra qu'on modifie, qu'on en casse. Ensuite l'autre niveau, celui-là je l'aime bien aussi. On a fait un franchement, c'est toi qui l'avais fait ce bâtiment là, je trouve qu'il est vachement stylé, moi j'aime bien. Ça fait style monastère ou un internat, on a voulu faire une école, un internat qui fait bien Payfly, hein. Franchement je trouve qu'il est beau, il peut faire peur, genre là, un truc film d'horreur ou quoi. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il est beau. Donc voilà, pareil, on doit trouver un levier. Visite l'intérieur quand même. Ouais, on va visiter l'intérieur. Là c'est que l'ancien truc pour vraiment nos plus vraiment anciens abonnés. Tony, je crois que t'en avais 40 quand on a fait cette map. Ouais, c'est ça. Et puis on va la faire en vidéo cette map. Avec d'autres personnes, je pense, je sais pas, on verra.
Ouais, quand on va la terminer, on la fera en vidéo. S'il y a quelque chose, des choses à modifier, le niveau il est trop difficile, il n'y a pas assez de stuff, on mettra aussi le temps de durée de la map. Et puis on marquera tout ça sur des règles à la fin. On réglera tout quoi. On veut une map quand même assez difficile quoi. On veut mourir dans le jeu, tu vois. Mais on verra bien. Donc ensuite, Donc là on avait pareil. la cour aussi. Ouais, la cour. Donc avec un tuyau de terrain de basket, ouais, il est là. Très vite fait, on va Ouais, se casser c'est. la tête. Après on n'avait même pas les vitres de couleur comme je vous dis, c'était vraiment à l'ancienne hein. Parce que sinon je pense qu'on aurait fait des trucs un peu plus beaux quand même. Donc là sinon, niveau suivant, on arrive avec, au niveau d'un labyrinthe. Donc d'un labyrinthe tout simplement pas éclairé, après il y aura des coffres un peu partout. Tout ça, faut qu'on finisse les systèmes de redstone, on les a pas finis. Une fois que vous êtes à la sortie du labyrinthe, vous arrivez dans une nouvelle zone. La nouvelle zone, c'est tout simplement une centrale nucléaire, c'est la dernière zone de toutes les zones, hein, donc je pense, je sais pas combien de temps va durer cette map, mais je pense qu'elle va durer pas mal de temps. Donc voilà. Donc avec des camions ici, de Fox. Bon, ça c'était les camions que j'ai pris dans le tuto, j'allais pas me casser la tête à en Ouais, faire mais parce que on a vraiment beaucoup de taf à faire entre les bâtiments à faire. Le mur noir aussi parce qu'il nous a pris putain de temps, laisse tomber, c'est un truc de ouf. deux grosses cheminées. J'imaginais pas. Ouais, puis même rien que les zones, parce qu'en fait toutes les zones ils sont surélevées, donc faut vous dire à chaque fois, en gros le mur noir il est quasiment fait en deux fois, parce qu'à chaque fois il fallait faire un sol en dessous quoi. Un sol là, un sol là, un sol là, un sol vraiment partout. C'est vraiment énorme, c'était sous l'enfer. Bon, sinon, on a assez parlé pour les anciens abonnés. Maintenant, pour ceux qui savent c'est quoi cette map là, qu'est-ce qu'on fait sur cette map et qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, bon, on va tout simplement la finir. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire, on va faire la salle. J'avais dit dans les anciens épisodes qu'une fois que la map est finie, on allait faire un camp de réfugiés, entre parenthèses. Donc quand vous allez aller suivre ce long couloir, vous allez arriver là, vous allez arriver dans une toute petite zone, ce sera tout en blanc, tout sera propre, rien sera défoncé. Il y aura un hôpital, des petits. On essaiera de faire, on va mettre des villageois pour renommer, pour dire faire style qui nous Tente, parle. là, comme ça, il y aura une histoire en fait. Ouais, on fera un scénario, hein, clairement. Tiens, ça faudra qu'on le casse aussi. Ouf, même pas, j'ai la flemme. Voilà, regardez déjà rien qu'ici, la taille du mur noir, c'est énorme. Là, il va falloir qu'on finisse là, là, entre les Surtout niveaux. le plafond, mon frère. Bas le plafond, c'est juste énorme. Hein. Tiens, regardez, je vais mettre le jour. De l'eau. Même le rendeur distance, pourtant, il est déjà énorme sur PS4. Regardez, c'est juste énorme. Hein. Là, Voilà, je cette vole map. super vite. Hein. Regardez ça. Prends une carte, hein, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. C'est juste énorme. Voilà, le truc de ouf. On avait vraiment chié pour mettre tout ça, vous imaginez même pas. Bon après faut avouer aussi que la plupart c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais Voilà. clairement, la plupart c'est Bon, pas je nous pense qui qu'on va l'avons faire une fait. petite ellipse, puis qu'on va se reprendre quand le niveau continue, enfin, à avancer. Ouais, on va faire des tuyaux d'ellipse, on va finir. Bah je sais pas, je pense pas qu'on va tout finir dans cet épisode-là, hein. Je pense pas quand même. Non. Parce que ça ferait un très gros Non, non. épisode. Parce qu'on a encore beaucoup de taf, on va essayer de faire déjà le camp de réfugiés, peut-être qu'on se laissera là. Ouais, je pense qu'on se laissera là pour le camp de réfugiés. Ensuite, nous, ce qu'on fera, on fera tout simplement hors caméra les systèmes de redstone manquants, donc tout le labyrinthe et toute la centrale nucléaire. Une fois que tout ça sera fini, après c'est que du détail, les coffres, le scénario, tout à écrire. Et tout simplement, la map à tester, quand elle est au bon niveau, tout est réglé, niveau difficulté, les zombies, le stuff, elle sera mise en téléchargement. Donc voilà, donc ellipse. Et alors tout le monde, donc on se retrouve, on a pas mal avancé quand même depuis hier, enfin même si on a fait un petit autre truc. Donc on a fait le tunnel pour arriver jusqu'au camp de réfugiés, donc le tunnel quand vous arrivez il est comme ça. Quand vous marchez sur la plaque de pression, bah il y a tout qui s'allume, mais genre progressivement. On marchait tout bout au bout, il est très long. Et là vous arrivez au camp de réfugiés, on n'a pas voulu faire des constructions de malades, hein. Là c'était vraiment un truc. Ah, c'est vraiment un des trucs basiques qu'on a fait parce qu'en plus hier on était mort. J'avais fait un putain d'hélico sauf que Tony me l'a cassé. Il était pourri mon frère ton hélico. Arrête Bref, du coup ton. on a mis des tentes, un hélicoptère, puis là c'est l'hôpital ici. Enfin l'hôpital entre parenthèses quoi, le dortoir.
Et c'est où c'est qu'on soigne les gens, c'est pour ça qu'il y a une croix rouge. Ici c'est où c'est qu'on dort. Donc 10 dans une chambre d'un mètre carré, c'est comme ça. Voilà. Décoration vite fait, de toute façon c'est une map zombie, on va pas faire des trucs de ouf. Ouais là c'était vraiment pour la fin quoi, c'est le dernier. C'est même pas un niveau, on m'appelle pas ça un niveau, tu vois, c'est. C'est la fin du coup, voilà quoi. Ça sera le camp de réfugiés. Et du coup là ben nous on va. Ce qui nous manque c'est plus que les systèmes de redstone. Qui va nous prendre énormément de temps je pense. Ouais. Bah, je sais pas, il nous reste lesquels à faire comme système là. Un petit peu du labyrinthe parce que j'avais quasiment tout fait dans le labyrinthe. Et tout le central nucléaire c'est pas fait. Putain. On est F. Tiens, fiu. Ouais bon, on va faire ça. Oh, je t'ai mis quoi là? Hop. J'avais jamais vu que t'avais fait ça ici. De quoi? T'avais mis genre des. Ah la salle électrique de la centrale nucléaire, là, le levier avec les dalles, ça fait stylé. Ah ouais, j'ai mis ça. Bon bah voilà. Du coup bah en fait si je pense quand même qu'on va qu'on fera tout la fin sur, sur cet épisode là je pense. Hein. Ouais, je t'avais franchement je sais pas. Après là ça va être une élite, de toute façon, il va y avoir beaucoup de taf, après qu'est-ce qui manque? Il manque plus que c'est le scénario, les coffres et puis c'est terminé. Hein. Puis de toute façon les coffres je pense pas qu'on fera en vidéo parce que bon, non, ça ce sera sera quand en même. première. Là je pense qu'on va se Ouais. retrouver pour quand tous les systèmes de Ratson y seront terminés. On va essayer de voir pour expliquer le scénario, on va réfléchir. On va expliquer le scénario à peu près. Ensuite on placera les différentes pancartes dans la map. Les coffres. Personnellement on va pas mettre du gros stuff, par contre on va essayer d'y aller sur la bouffe parce que les maps avec pas de bouffe c'est saoulant. Voilà quoi. On mettra Bah, qu'est-ce qu'on peut mettre? On mettra, je sais pas. Bon, de toute façon on verra ça quand on va remplir les coffres, là je pense qu'on va faire une ellipse pour finir tout le système de redstone. ouais franchement après le système de redstone Et ça va aller les vite parce que coffres. là il y en a pour énormément de taf avec le système de redstone, même les droppers ils sont pas mis. Attends. Putain. Quand on avait fait ça, il n'existait pas encore les droppers et les dispensers. Si. Bah si, parce que la clé elle était sortie et cette mise à jour là elle est sortie quand Non mais j'étais arrivé PS4. non non la clé elle était pas sortie, je cherche pas. La clé elle était sortie mon frère. Exact. Mais donc on Y en avait a. utilisé des distributeurs, putain je me rappelle plus. Ouais. Mais la clé elle venait de sortir je crois. Hein. Ouais, ça venait tout juste de sortir. Parce qu'on l'avait utilisé pour... Non, ça faisait déjà un moment, t'as un cramé toi quoi mon frère. On était sur l'ancienne map. C'était déjà sorti mon frère. Putain, aucun souvenir. Ouais bon bah c'est pas Ouais, ça date hein. grave. Bon bah voilà, du coup on fait une ellipse et puis on se retrouve quand le système de Redstone sera terminé. Et tout le monde, après 25 piges. Non, combien de temps à peu près? Dommage. Bon Oh, alors je sais pas, putain je me longtemps. rappelle même plus où c'est qu'on s'était laissé. On avait... Je m'en rappelle plus. Déjà on avait fait ça. C'était merde là. Non mais ça il l'avait vu je crois. Bah Et on avait fait ça, ouais je crois qu'on l'avait déjà montré. Le tunnel on avait déjà montré. Et là, alors ce qui manquait. Ouais, c'est ça. l'aménagement intérieur du truc, on n'avait pas montré. Voilà. Alors déjà ouais on a fini tous les murs noirs à deux, moi et Fox. On a... C'est quoi ça? Voilà, ça là-dedans on a fait, en gros on a fait des bureaux, des petits... T'es où Fox? Ah, on n'avait pas expliqué pour le système de Si si redstone je leur ai expliqué, qu'on je leur était ai DG. expliqué. On a fait des petits bureaux comme ça, hein, à peu près partout. Et comme vous pouvez voir, on a eu un gros problème les gars. Un putain de gros problème. En gros tout, la redstone de toute la map, on est obligé de quasiment, entre parenthèses, tout refaire. Tout simplement Ça parce dépend. que... Je mets... Attendez, je vais vous faire une démonstration. Ça faisait comme ça faisait une torche de redstone, le dispenser comme ça et genre attendez, hop. Un escalier ou une demi-dalle position haute. Ouais voilà, je faisais comme ça à peu près. Genre je mettais... Des fois je mettais un escalier comme ça.
Et au-dessus, bien sûr, il y avait de l'herbe, tout ça et tout, pour les chemins. Et le problème, c'est que quand... Sauf qu'avec leur fils depuis de mise à jour... Voilà, avec leur fils leur mise à jour de merde, quand on mettait ça, on faisait spawn le zombie il spawnait ici, au-dessus de la... de l'escalier. Mais sauf que maintenant, il passe à travers du dispenser, voilà. Donc en gros, à cause de ça, on était obligé de tout refaire, et on a dû... En gros, ce qu'on a dû faire... On a dû, en fait, rajouter un bloc sous le dispenser, et une torche de redstone. Et là, justement... justement avec pas d'escalier comme ça avec une carpette, voilà, avec une carpette au dessus obligé, c'est pour ça qu'on voit tout. Là on est en créatif, il a pas l'agro, du coup s'il a l'agro bah il va sortir son bloc et il va venir nous flasser la gueule. Donc là il a réussi à prendre l'agro sur moi, donc voilà en gros attendez, je le connais. Du coup on a été obligé de tout surélever de 1 parce que là vous pouvez voir avant tous les blocs roses là. Ça, avant, c'était des dispensers. En gros, on était obligé de casser le dispenser, le relever de 1. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, on voit tous les dispensers. Et du coup, on est obligé de... Bah, on est obligé de mettre des carpettes. Donc, on mettra des carpettes, hein, c'est pas grave. C'était soit ça ou rien. Du coup, on était obligé de tout refaire. Bon, sinon, voilà l'explication. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire. Alors, là, on a fait un tuyau système de redstone que quand on entre, ça fait spawn... Il y en a 8 zombies qui spawnent. 8 avec les plaques de pression qui sont ici. Voilà. En gros quand là vous arrivez, vous activez les plaques de pression, ça fait spawn 8 zombies. Donc un dans chaque bureau, donc 4 et un là, un là, un là, un là. Ensuite ça c'est inaccessible, j'ai mis des portes en fer, ou peut-être qu'on fera les bureaux après, j'en sais rien. Voilà, ça c'est un peu de machinerie qu'on a fait vite fait. Hein. Dans les bureaux on trouvera un levier pour accéder à l'étage supérieur, donc on posera le levier ici, là ça sera fermé. À l'étage supérieur pareil on mettra... une chaude plaque de pression ici devant qui fera j'ai même pas vu, j'avais même pas vu ce que t'avais fait ici. Alors ici on va mettre des tuyaux zombies qui va spawn tout ça tranquillement. Là on fera peut-être encore des bureaux, on condamnera, je sais pas. Ensuite quand on sort, donc ici avec ces plaques de pression là, ici là, les deux en fer ici, c'est des en fer hein. Voilà, il faudra qu'on les change. Ouais, ça va faire spawn 25 zombies en tout dans toute la zone extérieure, sauf dans ce bâtiment là hein. Dans toute la zone extérieure, ça va faire spawn 25 zombies, donc j'ai mis des dispensers un peu partout, là pour l'instant, je regarde, il y en a un là, un là, en dessous on voit, c'est tous les blocs Tony, orange. Tony, je viens de penser à un truc. Tous les blocs orange. Ça te dirait pas qu'on a un petit jump dans une cheminée de la centrale nucléaire pour accéder à un coffre bonus? Bah, si tu veux. Bon, on verra après. Bon, alors, on décide. Il y a de la lave, après il se la chave la gueule. Ouais, mais c'est chaud parce que s'il se la chave la gueule... Il n'y a plus rien. Bah, faudra qu'on mette conserver inventaire dans les règles. Ouais. Ouais. Donc voilà, pour tout ce qui est coffre, zombie, non, pour tout ce qui est zombie, c'est ça va être fini. On fait le système de redstone, ça sera fini. Donc ensuite, il nous restera les coffres et le scénario. Donc, alors le scénario. On n'a pas encore réfléchi, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire en gros? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour qu'ils soient comme ça? De quoi? Bah, je sais pas, une invasion de... Je sais pas, une invasion de zombies ou un truc comme ça, je sais pas. Suite à des expériences, je sais pas, ça a mal tourné. Tiens, oui, aussi, leur truc. Leur définir point d'apparition, ça marche pas à différentes couches en gros. On avait rebouché tout cette merde en haut et puis on spawnait en haut en fait. Quand on mettait le point d'apparition, bah, je sais pas, ce bloc par exemple, on spawnait. Ouais, j'ai mis le ici. Et ça marque moins 90, moins 215 à la couche 4. Comme vous pouvez voir. Du coup, nous on croyait que ça fonctionnait à la couche 4, mais non, pas du tout. On a rebouché ça et puis on spawnait toujours en haut. Du coup, on était obligé de tout reboucher et tout recasser. Donc voilà. Ensuite, tiens, regarde, je viens de voir, gros. D'ici, on voit les centrales nucléaires. Va falloir qu'on refasse encore un grand mur noir. Ouais, falloir. Bon alors, du coup, là, nous, ce qu'on va faire, on va finir le système de redstone. 5 minutes, même pas, c'est fait. Ensuite, soit on va mettre tous les œufs d'abord, ou on les mettra après. Non, je pense qu'on les mettra en dernier, les œufs, parce que si on les fait activer quand on va marcher sur des trucs, ça va nous rendre ouf. On va faire le scénario, les coffres. Donc, le scénario, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je peux en réfléchir tout de suite, ou bon? Je crois que tu me demandes de réfléchir à un scénario en vidéo, mon frère. Je sais pas, en gros, je sais pas, on dit... Il y a eu des... Ouais, une invasion de zombies, un truc comme ça. Ouais, ça a mal tourné. En gros, on doit traverser la ville pour arriver jusqu'au camp de réfugiés. Et genre là, t'arrives, on peut dire c'est la... T'es dans une genre de petite cité de la ville. Ensuite, t'arrives dans le centre-ville avec tous les buildings.
Tu passes à l'école de la ville, à labyrinthe, bon c'est à part. Tu passes à la centrale nucléaire et tout. Ouais si je pense qu'on dira ça, tu vois, on doit traverser toute la ville pour Putain, donc, vous devez vous échapper dans l'hélico qu'on a fait là-bas comme j'avais dit au début. Ouais voilà, puis après on mettra les coffres, tout ça, les règles, tout ça, c'est Fox qui va écrire parce que moi je sais pas écrire. Hey gros, laisse tomber gros, quand j'étais sur ma chaîne YouTube, je vais dans à propos. Gros, c'est un truc de ouf ce que j'ai marqué, hein. La tête de ma mère, hein. Je sais pas si j'avais bu quoi ce jour-là. Oh, j'avais marqué, attends, je suis dessus là. Je ferai de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité. J'ai écrit qualité avec un C. J'ai déjà... Gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis pas sérieux. Et j'ai la flemme de changer. Oh là là, laisse tomber. Bon, du coup, on va refaire une chatte ellipse, les gars. Ça sera sûrement la dernière, peut-être pour eux, ouais. Puis après, on vous présentera le final. Et puis voilà quoi. Ouais, puis on fera peut-être un timelapse pour présenter toute la map. Ouais, bon, on va faire du lourd, du lourd, du lourd. Je vais faire un truc lourd. Cinématique. Ouais, une cinématique. Voilà, les gars. Bon, bah, du coup, bon. Grosse ellipse pour nous. Donc, à tout de suite. Le 10 piges. Et heureux tout le monde, après 25 piges. Donc, je suis pas avec Fox. Fox, il est parti pioncer. Je suis avec un ancien. Flo, il est revenu. Flo! Hey tout le monde. T'as faut autoriser ta voix, moi. Oui. Bon, alors les gars, la map elle est finie. Oui, je peux le dire, elle est vraiment finie. Donc, franchement, beaucoup de temps. Donc, je vais vous lire les règles. Bienvenue sur Zombie Apocalypse. 1. Les règles, ne pas casser de blocs, désactiver l'apparition des créatures, jouer à 3 joueurs maximum. Mode difficile, pourquoi t'as quitté? Jouer en mode... Parce que je vois plus les panneaux, vas-y, vas-y, t'inquiète. Merci de jouer le jeu, bonne game. Créateur, Tony Pro Gaming, Foxrush 972, chaîne YouTube, Tony... Pourquoi il m'a bien tiré cet enculé? Putain, je vais pouvoir le refaire. Bon, je le referai. Tony Gaming, abonne-toi pour nous suivre et pour découvrir de nouvelles maps. Ensuite, alors, le stuff de départ, c'est juste ici, on a mis 3 trucs pour si les joueurs sont à 3. Le scénario, donc le scénario, je vais vous le lire tout simplement, c'est moi qui l'ai inventé, hein. C'est Fox qui a écrit. Alors en 1944, une invasion de zombies a eu lieu suite à des explosions nucléaires qui a semé l'apocalypse dans le monde entier. Vous allez devoir passer... Putain, non, j'avais dit traverser. Vous allez devoir passer... Ah non, vous allez devoir passer à travers toute la ville pour rejoindre le camp de réfugiés tout en survivant à l'invasion de zombies. Donc voilà, c'est le scénario en gros. Donc ensuite... Alors attention parce que tout est activé et genre à chaque fois il y a des petits trucs comme ça pour se faire style que c'est le joueur qui se parle à la troisième personne, ça doit être l'entrée de la ville, 3 petits points. Donc là je marche pas sur le fil parce que tout est sous tension, hein. Il y a les œufs, il y a les coffres qui ont été placés, il y a tout. Il est totalement fini. Il y a ça aussi, trouver le levier pour accéder à la suite, ville délabrée. Donc ensuite pareil, regardez là il se parle toujours, ça devait être ici le centre-ville, 3 petits points. Il y a fait un film. Ouais t'inquiète. Toujours pareil, hop, ici, ensuite, celui-là je vais le nommer école tout court. Là je me rappelle même plus qu'est-ce qu'on avait marqué d'ailleurs. Cette école me fait vraiment flipper. Ah bien, parce que un peu style sinistre. Ensuite pour le labyrinthe, qu'est-ce qu'on avait marqué? Je m'en rappelle plus. La sortie du labyrinthe vous mènera à des endroits clés. Ça c'est Fox il écrit mais je comprends pas en fait ça veut dire quoi. Ensuite ici, à des bons endroits en fait. J'avais marqué, ça me rappelle des souvenirs, hein, 3 petits points, quand t'es arrivé là. Et ensuite là j'avais marqué, je suis déjà venu ici, 3 petits points. Là je marche pas sur les plaques de pression, sinon ça va tout activer, hein. Marche pas. Hein. Ensuite vous avez... Là c'est marqué comme ça, vous devez rétablir le courant. Pour rétablir le courant, vous marchez sur les plaques de pression juste ici, vous allez dans la salle. Je leur montre pas. Ouais, bah je m'en fous quoi. Il y a 2 leviers à activer, il y a un levier dans cette salle là, un levier dans cette salle là, et ça active un système de redstone juste ici tout con. On a oublié quelque chose par contre. Qui active la porte, qu'est-ce qu'on a oublié? Bah la fin. C'est avec les PNJ tout ça. Ah oui, merde, exact, bon le fera après, il s'en fera après. Rétablissez le courant pour vous échapper, donc en gros ça baisse quand le courant il est rétabli. Et là vous arrivez dans le couloir, regardez là c'est le couloir de la fin. Il y a tout qui s'allume progressivement, ça c'est stylé. Donc je vais me reprendre ça. Attends, je vais remettre le bloc. Ouais bah vas-y remets-le, moi je vais remettre la barrière.
fait stylé, regarde quand ça s'éteint. Ah oui, bah même quand ça s'allume, c'est stylé. Ensuite, là, bien sûr, la porte... le camp de réfugiés, quand vous arrivez là, l'appareil c'est pas encore fini. Là on va mettre des panneaux, merci d'avoir joué à la map, vous avez désormais atteint le camp de réfugiés, mon chaîne YouTube, nos comptes Facebook, nos comptes tout. On va tout mettre, aussi il y aura des PNJ dans leur tente qui se baladent, là il y aura aussi un PNJ qui nous dira bienvenue dans l'hôpital, même pas, enfin c'est pas vraiment un hôpital, c'est un camp où c'est tous les réfugiés, tous les survivants viennent au squat. Tout ça, on mettra des torches, assez sympa. Donc nous ce qu'on va faire, parce qu'on est, on y a été niveau stuff, on sait vraiment pas si, je pense que clairement on a pas mis assez de stuff, donc non, on fait, voilà, on la teste à 2, on voulait la tester à 3, mais faut aussi un Sanacha. Donc ce qu'on va faire, on va la tester, si on voit que ça va pas, on va la finir quand même, pour voir ce qui est amélioré, la finir après, on va la faire en speed, on va même la faire 2 fois, 3 fois, pour vraiment que ce soit équilibré, faut quand même qu'on meure, hein, ça c'est logique, hein, si on fait que de survie, c'est pas marrant. Faut quand même qu'on meure, tout ça, et puis il y a 2-3 règles. On aurait dû peut-être augmenter les nombres de zombies, au pire on verra ça. Ouais, on verra bien à la fin, ou baisser le stuff tout simplement. Ne pas casser le bloc. Je sais plus si on l'avait marqué conserver l'inventaire. Non, va falloir qu'on le marque aussi, conserver l'inventaire, tout ça. Que je remette mon blast parce que cet enculé il m'a mis de la merde. Bon, alors du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo, les amis. Quand elle sera fixe, je dis bien quand elle sera fixe avec tout, on fera une série dessus avec Fox, je pense. Hein, je pense bien qu'on fera une série dessus. Et je vais essayer de vous faire un trailer, je sais pas comment je vais faire. Une bande d'annonces ou quoi, un trailer de la map zombie apocalypse, mais vraiment un truc stylé, genre à la troisième, genre, avec une musique de ouf, ah je sais pas, je vais essayer, en gros je vous présenterai tous les niveaux dans le trailer avec des ellipses, en mode time maps, avec de la musique de fond et tout, je vais vraiment essayer de vous faire un truc assez stylé, donc voilà, ça sortira prochainement sur ma chaîne, en tout cas celui-là c'était le dernier épisode de la map en construction. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, qui si vous voulez des autres maps comme ça, dites-moi-le dans les commentaires, même si c'est énormément de travail, dites-moi-le, y'a pas de problème, même des maps ninja, n'importe quoi. Bon, likez, abonnez-vous, commentez, ciao tout le monde. Flo, dis ciao. Ciao tout le monde.